10 000? Non. 10 000 habitants dans le Morvan. Les raids des maisons partout. J'aurais besoin d'un exemple de ville. Je sais même pas combien il y a d'habitants à Château-Chinon. On aura beaucoup, beaucoup de voisins. Dans la montagne. Et plein d'autoroutes partout aussi. Non, ça c'est moche. Je pense que ça doit être compliqué. Il y a trop d'arbres. C'est trop en pointe. Non, parce que c'est pas très grand le Morvan. Non, c'est pas possible. Parce que ça ferait trop de monde. D'ailleurs, on va refuser. Non, on veut garder notre Morvan comme il est. Hein. Déjà le mois d'août, il y a trop de monde. Donc... 10 000 habitants dans le Morvan. Une ville, non. Je pense pas. Non. Plus maintenant. Je sais pas. J'imagine pas une ville. Je sais pas trop sur 10 000 personnes quelle économie il pourrait y avoir autour. C'est en pointe. Ça voudrait dire. Faire de la place. On peut pas mettre de route. Donc ça changerait beaucoup le paysage. Et ça veut dire détruire toutes nos forêts, nos campagnes. C'est pas à la mode d'aujourd'hui. Apparemment, les villes ont tendance à devenir des villages. Changer les habitations. L'époque du Morvan très peuplé est bien, bel et bien révolue. Pas forcément une ville de 10 000 habitants, parce qu'on reproduirait les mêmes erreurs, mais... 10 villes de 1000 habitants, ça existait il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Mais si on ramène ça à une époque très ancienne, oui. Ça existait ? Oui, parce que en me baladant beaucoup, puis en fréquentant plein d'archéologues, on se rend compte que c'était très dense. Pourquoi pas ? Il y a dû y avoir. Il y a eu, vraisemblablement, de ce qu'on nous raconte. Bah oui, avant, il y avait les Gaulois, c'est ça ? Sur le Mont Beuvray ? À Bibracte. La ville des Gaulois. Sur l'Oppidum, oui. C'était le nombre d'habitants qu'il y avait quand c'était Bibracte, je suppose. Bon, maintenant, ça serait un peu difficile avec les... Avec les ressources en eau, tout ça, mais... Bah, c'était pas le même paysage. Il y avait pas de forêt, donc du coup, c'est sûr qu'il y avait plus de place. Il y avait plein de gens, il y avait des mines, il y avait des habitations un peu partout. 10 000 habitants qui habitent avec le confort d'il y a 2000 ans, ça a pas le même impact que 10 000 habitants comme à Autun, par exemple. Il y avait des gens qui travaillaient, hein, aussi. Il y a très, 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 très longtemps. Il y a plus de boulot pour les gens ici, quoi. C'est la forêt qui a pris place, quoi. Moi, de toute façon, je m'en vais. Hein. Je retourne d'où je viens.